Bon, c'est normal si vous voyez une grosse cuisse de poulet ici. C'est mon fils. Voilà, il n'a pas mis son attelle. Bravo, Ilyes. On applaudit tous. Donc, on se retrouve pour un petit haul action. Donc, on va vous montrer le petit bazar qu'on a pris. Plus pour beaucoup de vidéos. On a des idées de vidéos, Ilyes aussi. Donc, on vous montre tout de suite. Voilà, on a pris un baume à lèvres choupa choup. Montre-le bien. Après ouverture, ça donne ça. Voilà, et ça sent, moi j'ai senti, ça sent un peu l'orange, le Fanta, pas l'orangina, pardon, le Fanta, je trouve. Ouais, c'est bon. Mais après, est-ce que sur les lèvres c'est bien? Je vais pas le mettre parce que c'est à lui, donc voilà. Si je retrouve le ticket, je vous dirai le prix, mais c'était pas cher, c'était 70 centimes ou 80 centimes, un truc comme ça. Voilà. Après, toi, moi. Attendez. Donc, pour un ami, je lui ai pris une souris gaming. Voilà. Parce que il m'aide sur mes groupes Facebook, il m'aide partout. Voilà. Donc, une souris gaming. Et. Ouf, pardon, ta jambe. Merci. Et un clavier qui va avec. Le clavier, je m'en rappelle, c'est 19,99. Voilà. Et hop. Et la souris, j'en ai eu pour 5 euros et quelques. Bon, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je ne l'ai pas allumée. Mais d'après moi, elle est super belle. Je vous montrerai à la fin une petite vidéo où je les teste pour savoir si elles fonctionnent ou pas. Alors, on a acheté des nouilles. J'ai testé, ça a l'air pas mal. Mets-les là, ce que tu as. À toi. Donc, j'ai repeint mon mur là-haut, hop là, comme vous pouvez voir, mais il y a des traces encore de blanc. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que je repeins le blanc et le gris en métal. Donc, pour cela, j'ai racheté deux petits pinceaux comme ça, voilà, et la peinture métallique qui va avec. Voilà, je l'ai vu chez ma copine, elle a acheté pour son mur et il a l'air super beau. Bon, je testerai avant dans mon couloir, bien sûr. Voilà. On a acheté aussi du bœuf séché. On va tester. Vous avez compris? Du bœuf chiché. Séché. Ensuite, on a acheté des bêtises pour certaines vidéos. Ou pas. Ça dépendra. C'est des petits bonbons en fait comme ceci. Attendez, je vais vous ouvrir. Voilà, des petits personnages, même pas des personnages, pourquoi j'ai dit des personnages? Des petits rubans comme ça colorés. Ensuite, on a acheté des Doritos, des nouveaux. 99 centimes, ça je me rappelle. Un Crémonion, je crois qu'il a pris. Oui, sous scram. Sous scram. Ensuite, on a acheté des bonbons qui fait du piqui. Voilà. Du piqui. C'est des petites boules. On a acheté du Sprite. Du coca cerise. Du Lipton, même si on voit pas la marque parce qu'il y a papier. C'est pas grave, du Lipton thé vert. Je pense. On a acheté une superbe licorne. Une superbe licorne. On a acheté du Dr. Pepper. C'est un docteur au poivre. Et du 7-Up, voilà. On a acheté aussi des chats, c'est pour jeter les boules dans le air et gagner des trucs. Voilà, vous le verrez dans la plupart dans les vidéos. Ça, j'ai acheté pour mon grand, bien sûr pas pour le petit qui est à côté de moi. Ça, j'ai acheté ça pour mon grand avec ceci. Comme je ne m'y connais pas, donc donnez-moi des conseils, hein. Vous pouvez rejoindre mon Discord et me donner des conseils dans l'espace commentaire de Discord. Voilà, merci. Voilà, donc perso, voilà, Ou la hein. vidéo. On est d'accord. Ensuite, j'ai acheté. Un jeu, il faut écrire et trouver c'est quoi notre nom. Oui. En fait, si je marque que c'est une grenouille, eh bien, en gros, il faudra deviner que lui, c'est une grenouille. Vas-y. Ah, moi. Donc, on a acheté des petits masques.
Voilà, hop, Plein hop. de masques. Voilà, celui-là il est trop mignon, sérieux. Encore? Non, il y en a trois. Là-haut? Ah oui, mais ça c'est à part. Ah. C'est bon. On a acheté un scotch fluorescent. Mon petit chat a fait ses griffes sur mon canapé. Très joli d'ailleurs. Voilà, en fait, ce qu'il ne vous montre pas, c'est que vous pouvez les mettre dans les couloirs, écrire des Ah textes, etc. Mon chat va tomber dans le bac, on va bien rigoler. Ceci, ce sera pour une vidéo aussi. Voilà. Des Oreos écrabouillés. Vous allez me dire, j'aurais pu les acheter, hein. c'est de la mousse mangeable pour une vidéo aussi. Une coca. Coca, pardon. Ça, peut-être ça sera pour une vidéo. Non, en fait, ça c'est avec son argent qu'il a choisi. Voilà, Bon, parce qu'il après, copie sur sa mamie. peut-être je garderai pour une vidéo. Voilà, ça, on s'en cogne, c'est pour faire les rubans de C'est ma peinture. du scotch. Si vous voyez un chat qui s'incruste, c'est normal, Parce dans qu'on la l'a acheté vidéo. aussi. Il a coûté très très cher, j'ai ruiné mon compte en banque pour un petit chat comme ça. Mon produit lave-vaisselle, mon produit de lave-vaisselle. Par contre, ne montre pas tes fesses comme dans TikTok. Hein. Parce que dans TikTok, il a montré ses fesses. Hein. La meilleure mayo du monde. Voilà. Clairement. Voilà, clairement. Hein, on est d'accord. J'ai acheté des petits masques. Des petits masques comme ça. J'ai vu plusieurs vidéos et j'ai envie de tester. Voilà. J'espère que je ne vais pas faire une réaction avec ces masques. Des bonbons que je suppose que c'est piquant. Vu la tête, attends, vu la tête du truc, dites-moi si ça pique. Hein. Je Voilà, non, peut-être c'est juste acide. Hein. Mais vu qu'il a craché, je pense que Et ouais. du feu surtout. Et pour finir, pour conclure, il y a un truc, il y a des trucs que je montre pas parce que c'est personnel. Hein. C'est des slibards, donc ça regarde personne. Et pour finir la vidéo, le meilleur des trucs au monde. Oui, mais il s'appelle maman, c'est Skittles. Des Skittles. Tu Des sais, Skittles. Ça, c'est les meilleurs bonbons du monde. j'en Donc, si vous voulez un jour m'envoyer des cadeaux, offrez-moi des bonbons. les Skittles surtout. Des Skittles surtout. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé de ce rôle? Ben vraiment, c'était le meilleur rôle que j'ai fait moi. Sur ce, je vous remercie. On est nouveau sur cette chaîne, mais pas sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre mon TikTok. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Je vous fais des gros bisous. Toute information sera en barre d'infos. Et on vous dit... Ciao! Donc, le crash test du clavier pour voir s'il fonctionne. Stylé, hein? Il est assez lourd. Hein? Et franchement, il est juste magnifique. Voilà. Ça, c'est le clavier. Voilà. La souris, elle se présente comme ça. Il y a un truc pour mettre reposer son pouce. Voilà. Tic-tac-toc. Elle change de couleur. Elle a des boutons partout. Ici, 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 je sais pas à quoi ça sert. Un bouton ici, une roulette ici que vous pouvez appuyer. Ben c'est tout. 5, 6, ah ouais, 6 boutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Hop. Et franchement, elle est pas mal parce que pour mettre. Elle est bien. Bien stylé. Voilà, regardez. Vous allez me dire que ça se fait pas d'ouvrir un cadeau avant. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand j'offre des cadeaux électriques, je pense bien, moi j'aimerais pas recevoir un cadeau qui ne me fonctionne pas. Vous voyez pourquoi? Voilà. Donc automatiquement, je le teste. Comme ça, je sais qu'il fonctionne parce que s'il fonctionne pas, hein. Eh bien, voilà, vous comprenez. Donc, ça me permet de voir qu'il fonctionne et que la personne va le recevoir dans un état potable. Même s'il est neuf, il se peut qu'il le reçoive dans un état cassé ou autre. Tu vois ce que je veux te dire? Bref, on connaît les bails. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à rejoindre Discord. Bisous, bisous.